Bonjour. Citez-moi des noms de scientifiques, s'il vous plaît. De noms de scientifiques, Isaac Newton. Ils ont marqué le monde. Einstein. Marseille, Raoult. Oui, docteur Didier Raoult, tout. Pasteur. Axel Kahn, non ? Axel Kahn. Raoult, allez. On va dire Raoult. Raoult. Vas-y, Raoult, Marie Curie, Lavoisier, qui ? Thomas Pesquet. Au niveau de la petite enfance, je connais bien Montessori. J'en connais personnellement un Antoine, c'est je ne peux pas donner mal. Le nom de famille. C'est déjà pas mal. Citez-nous des noms de femmes scientifiques. Marie Curie. Marie Curie, vous n'avez pas d'autres ? C'est ce qu'on retient, les autres. D'accord. Bah Marie Curie, bon, après, j'en connais... Comme ça, à part Marie Curie, j'ai pas d'autres femmes qui me viennent en tête. Non, j'en connais pas. Non, non. Nom de femme scientifique, elle est bonne. Ça, c'est plus difficile. Pourquoi ? Oui, il y en a une. Très ancienne. Pourquoi, à votre avis, vous connaissez moins de noms de femmes scientifiques que d'hommes ? Parce qu'elles ne sont pas assez mises en avant. Je pense que même s'il y a eu des découvertes majeures qui ont été faites par des femmes scientifiques, ça a souvent... on met souvent en avant ce qui a été repris par les hommes à partir de l'étude initiale. Bah, parce que les plus grandes découvertes scientifiques, elles sont faites il y a longtemps, à une époque où les femmes, elles n'avaient pas la même place que l'homme dans le monde du travail et de la recherche. Et aussi parce que beaucoup de femmes scientifiques prenaient des noms d'hommes pour pouvoir, je sais pas, publier des thèses ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en connaît peu. Très bonne question, parce qu'on parle que des hommes. Parce qu'on parle plus des hommes. Dans la vie toujours, dans la vie générale. Bah, y a une grosse génération où il n'y avait que l'homme. Est-ce que les filles sont moins compétentes que les hommes en maths ? Elles sont plus. Non, elles sont aussi compétentes si on leur laisse travailler. Jusqu'au baccalauréat, elles sont même plus compétentes. Elles sont meilleures. Après ça, oui. Non, pas forcément. Bon, moi je suis moins compétente en maths que certains garçons, mais. Il y en a d'autres où c'est l'inverse. Ça veut rien dire, je pense. Non, ils ont plus de compétences en maths. Qui, les filles ? Ah ouais ? Oui, vous nous sous-estimez. Ah, on est vraiment bien. Je suis une maman de 5 enfants et je vous dis pas, on est égaux. C'est tout sur nos épaules par rapport à vous. Où vous travaillez, certes, je ne dis pas le contraire, mais la femme a beaucoup de choses. Elle gère les enfants, elle gère la maison, elle gère la cuisine, elle gère énormément de choses par rapport à un homme. Bon. C'est vrai en plus. Hein. Est-ce qu'on a tous le même cerveau et les mêmes capacités pour vous ? Ouais. Oui, on a tous les mêmes capacités. Après, il y en a, ils arrivent plus à intégrer ce qu'on leur apprend ou ce qu'on leur apprend pas. Si ça nous intéresse ou pas, on sait mieux que quelqu'un d'autre. Après, c'est selon la personne. Et... C'est une question d'éducation. Ouais, voilà, ça dépend par comment tu as été éduqué, dans quel milieu, quelles écoles tu as fréquenté, tout ça aussi, je pense. Sur le plan du corps humain, de la construction du cerveau, on est nécessairement les mêmes. Hein. Ouais, oui. C'est vrai. Parce que la principale différence entre les hommes et les femmes, à part le système reproductif, c'est exactement la même chose. Hein. Nous sommes tous différents. Pourquoi ? Bah. J'en profite pour le dire, parce que sinon, j'aurais préféré faire autre chose. Par exemple, on a des dons, on a... par exemple, j'aurais voulu faire médecin, mais j'ai jamais pu le faire. Et est-ce que vous aimez les sciences et est-ce que vous en feriez votre métier ? Alors... Il y a eu une période où j'ai apprécié les sciences et j'avais même projet de faire des études d'ingénieur. Mais après, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont découragée à force. Et notamment le fait qu'il y a énormément de préjugés et que malheureusement, dans le domaine des sciences, on ressent, le mot il est un peu fort, mais on ressent un peu une misogynie ambiante. Oui, intériorisée un peu, voilà. C'est très ancré en fait. Il y a des inégalités très ancrées que même on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours, mais c'est juste comme ça en fait. C'est des mécanismes qui ont été engrenés depuis tellement longtemps que s'en débarrasser, ça c'est prend ça, du temps. C'est compliqué. Hey Morgan, je trouve pas les filles, elles sont un peu nulles en maths. C'est vrai. Ouais, mais non, tu sais comment ça s'appelle ce que tu viens de dire ?
Je sais pas ce que ça s'appelle, comment ça s'appelle. C'est quoi, c'est quoi? Déjà, je parle d'Enzo. Ça s'appelle un stéréotype de genre. C'est comme dire les femmes, elles adorent la cuisine, ou que les hommes, ils adorent la mécanique, toi. Ah ouais, grave. Ouais, chez Enzo, la vérité, c'est qu'on a tous le même cerveau et les mêmes capacités, même toi, je te jure. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Il est fou, quoi. Non, à la vraie, moi, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, tu vois. On est différents. Il y a des personnes qui vont être fortes dans un domaine, d'autres non. C'est comme d'accord ça, avec toi, mais c'est l'équilibre. Ouais, mais ça dépend de comment t'entraînes ton cerveau aussi. Faut le faire bosser, tu crois quoi? En fait, si tu le fais travailler souvent sur un truc, il va s'adapter petit à petit. C'est comme un muscle, hein, le cerveau, en fait. Et ouais. Ouais, tu vois, genre, si tu joues une heure par jour à la play pendant 2 mois, il y aura des liaisons neuronales qui vont se créer dans ton cerveau. Et tu vas devenir trop fort, enfin, normalement. Si tu passes une IRM, genre si tu fais une image de ton cerveau, tu vas voir, il y aura un truc qui a poussé dedans qui n'était pas là avant. C'est un truc de fou, hein. Non, c'est un truc de fou, frérot. Tu crois quoi? Tu crois que, frérot, c'est une plante pour que ça pousse? Ah ouais, si on a le même cerveau. Alors explique-moi pourquoi il y a moins de femmes scientifiques que d'hommes. Et ouais, mon pote, les chiffres, ça ment pas. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux m'emboucaner, hein, toi? Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, les stéréotypes, ils peuvent bloquer ton cerveau. Du coup, t'agis un peu comme un robot. C'est ce qu'ils racontent les chercheurs l'autre jour. Ils ont montré à 2 classes de 6e une figure géométrique et les élèves doivent la reproduire de mémoire, si je me rappelle bien. Et c'était exactement la même figure géométrique. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. Je vois de quoi ils parlent. Moi, je me souviens, une classe était présentée comme un test de dessin, Zarma, et l'autre comme un test de géométrie. Et du coup, les filles, elles réussissaient tarpin moins bien que les garçons quand c'était présenté comme de la géométrie, alors qu'en dessin, ça va, tu vois, tranquille. Mais c'est plutôt bizarre, ça. En gros, si j'ai bien compris, juste le mot géométrie, ça fait stresser les filles. Ah bah finalement, en vrai, elles sont bêtes. Juste un petit mot peuvent leur faire tomber, chavirer. Et toi, frérot, ça veut dire que tu en as aussi. Toi aussi, tu peux avoir des stéréotypes sur toi qui te font que tu rates certains examens ou tu... Ben moi, tout le monde. On m'a jamais placé une étiquette. Et ce stress, tu vois, ça prend tarpin d'énergie dans le cerveau. Et du coup, il rame, il arrive plus à se concentrer à fond sur un truc, tu vois. Après, si on est au courant du cliché, on peut très bien se dire que c'est une idée fausse et que du coup, ça ne s'applique pas à soi. Putain, c'est vrai que ça s'applique pas à tout le monde. Vocabulaire. Ma sœur kiffe trop les maths, en vrai. Ouais, mais le cerveau, il fait un peu sa vie. Il fait des trucs tout seul, par automatisme, genre conduire. Tu réfléchis pas à chaque fois que tu passes les vitesses. Oui. Mettre le frein à main, hein, c'est ça, tu comprends? Le stéréotype, c'est pareil, genre Zama, ça s'active tout seul dans ton cerveau. Eh ben ouais, frérot. Tu sais quoi? T'as dit tout ce que tu viens de dire, ça m'a donné trop mal à la tête. Ben prends un Doliprane. We'll be right back.